terrorized from Zimbabwe. Terrori du Zimbabwe. I'm a church leader and I want to open a karate club. Je suis un chef d'église et je veux ouvrir un club de karaté. Without Buddha meditations. Mais sans méditation de Bouddha. I plan to use it as a soul-winning avenue because I have more people coming there instead of cell meetings. Je prévois de l'utiliser comme une avenue pour gagner des âmes parce que j'ai plus de gens qui viennent là-bas au lieu de réunions de cellules. Is it okay? Ça va. Yeah, it could be okay. Nothing wrong with that, but talk with your pastor. Oui, ça pourrait aller. Il n'y a rien de mal à cela. Mais parlez avec votre pasteur. You know, looking at it just like this on the surface, there's nothing wrong. En le regardant comme ça, en surface, il n'y a rien de mal. What your pastor can tell about your level of maturity, about the perception of the environment around you. Mais votre pasteur peut parler de votre niveau de maturité, de la perception de l'environnement qui vous entoure. What they're going to think about it, and so on and so forth. Ce qu'ils vont en penser, et ainsi de suite. So talk with your pastor about it, and he'll enlighten you further. Alors parlez-en avec votre pasteur, et il vous éclairera davantage. But be sure to explain clearly to him or her what you plan to do. Mais assurez-vous de lui expliquer clairement ce que vous comptez faire. And because sometimes when you talk to a pastor, if the pastor doesn't get clearly what you have in mind, the answer can be no. Parce que parfois, lorsque vous parlez avec un pasteur, si le pasteur ne comprend pas clairement ce que vous avez en tête, la réponse peut être non. See, but if they can get you clearly, communicate properly, and then you get the answer that you should get, whether yes or no. Mais s'ils peuvent vous comprendre clairement, communiquer correctement, vous obtiendrez la réponse que vous devriez obtenir. Que ce soit oui ou non. Whatever the answer is, be happy. Et quelle que soit la réponse, soyez heureux.